Ma maman d'amour. Hé, Ijoma. Maman. Comment tu vas? Je vais bien, maman. Dis-moi, c'est ton arrivée? Oui, maman. Comment va ta santé? Ma santé? Comment es-tu au courant de ma santé? Oncle Duke m'a appelé et il me l'a dit. Il m'a demandé de venir rester avec toi comme il ne peut pas le faire. Alors je suis ici pour prendre soin de toi. Hé, Ijoma, maman. Tu prends toujours soin de moi. Je te remercie beaucoup. Maman, pourquoi est-ce que tu me remercies? C'est mon devoir de prendre soin de toi. Je devrais te remercier. Certains de tes égaux ne peuvent pas le faire. C'est juste que tu es une fille qui a un très bon cœur. Merci, oh. Oh. Dis-moi comment tu te portes. Maman, ce n'est pas vraiment la grande femme depuis lors. Ça va aller. Ça va aller, ok? Je t'ai apporté des fruits quand je venais. Permets-moi de déposer ma valise à l'intérieur, comme ça je les lave et je les apporte pour toi. D'accord? Merci, ma fille. Merci beaucoup. Vas-y doucement. Hey, ma maman, fille. Bonjour. Bonjour. Tu es déjà éveillée? Oui. Et tu balais déjà? Oui. Et comment tu te sens aujourd'hui? Je remercie Dieu. Le massage à l'eau chaude hier était une très bonne idée. Ah, honnêtement, ça me soulagé. Fait vraiment plaisir que tu te sentes mieux. Je vais mieux, ma chérie. Pourquoi tu ne vas pas te reposer davantage au salon? J'ai presque fini ceci, donc je vais aller rapidement en route, puiser de l'eau à la source et puis je viendrai te faire le petit déjeuner. Tu te souviens toujours du chemin qui mène à la source? Hé, tu es sûre? Maman, bien sûr, non, je suis partie du village, ça ne fait que quelques années. Ok, je vais aller derrière nettoyer mon visage. Oh, d'accord. Ije. Uju? Ije. Ije. Ça fait vraiment du bien de te revoir. Ça fait du bien de te voir aussi. Je suis désolée. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis désolée de n'avoir pas pu venir. C'est bon. Je comprends. Je suis vraiment désolée, ok? Qu'est-ce qui t'a ramenée? C'est maman. Elle ne se sent pas très bien, alors je suis venue pour m'occuper d'elle. Je dois aller chercher de l'eau maintenant parce qu'elle est seule à la maison. Ok, ok, tu peux partir. Tu sais quoi? Dès que je finis avec mes tâches ménagères, je vais passer te voir à la maison, tu d'accord? Tu dois venir. Oui, nous devons parler. Mon ami, vas-y, vas-y. Ok, mon ami. À tout à l'heure. On se voit plus tard. Ok, oh. Ije. Hey, Ije est de retour. Alors, mon ami, qu'est-ce que... Maintenant que tu es de retour au village, quelles sont tes intentions? Je veux dire, que veux-tu faire? Juste prendre soin de maman. Juste prendre soin de maman? Je veux dire, qu'en est-il de ton éducation? Ne veux-tu pas la compléter? Hein? Comment cela est même possible? Je veux vraiment aller à l'école, mais... j'ai pas d'argent pour me former. Alors, je vais juste prendre soin de maman. Puis peut-être...
me marier et commencer à fonder une famille. Ok. C'est bien de se marier. Mais tu peux toujours compléter ton éducation, même étant mariée. Oui. Ça, c'est si tu épouses un homme qui sera prêt à te soutenir cependant. Maintenant, c'est facile à dire. Combien d'hommes acceptent d'envoyer leur femme à l'école? C'est vrai. En parlant des hommes, tu vois quelqu'un? Non. Est-ce que tu vois quelqu'un? Je ne vois personne. Dis-moi la vérité, tu vois quelqu'un? C'est la vérité. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Je n'ai personne. Ok. Et qu'en est-il de toi? Est-ce que tu vois quelqu'un? Oui. Et avec ce sourire sur ton visage, je suis sûre que c'est un homme bien. C'est un homme bon. C'est vrai, il est gentil. Regarde comment tu rugis. Je suis tellement contente pour toi. Merci. Qu'en est-il de Neka? Je ne l'ai pas vue pendant un bon moment. Neka va bien avec ses soucis. Je suis sûre qu'elle sera très contente que tu sois de retour. Ok, tu sais quoi? La prochaine fois que je te rendrai visite, je viendrai avec elle. Ce sera vraiment génial. Nous allons nous asseoir et nous rappeler du bon temps passé. Tu sais, nous avons beaucoup à nous dire. Beaucoup. Tu dois me raconter tout ce qui t'est arrivé pendant tout ce temps que tu n'étais pas là. Ok, je te raconterai. C'était pas mal de toute façon. Et puis, tes cheveux, je les aime bien. J'ai hâte que mes cheveux poussent comme ça, je pourrais faire ton modèle. J'aime bien, et franchement. On va s'en sortir. C'est la vérité, j'aime tes cheveux. Désolée. Comment tu te sens maintenant? Je me sens étourdie. Tu étais presque guérie. Et maintenant ça? Hein? Maman Biko, si tu veux quelque chose, même si je ne suis pas là, n'essaye plus de le faire par toi-même. Attends que je sois de retour à la maison. C'est juste que je veux m'aider. Je veux faire les petites choses de moi-même. Que de laisser toute la charge sur toi. Dis-moi, est-ce que je me suis déjà plaint que tu es une charge pour moi? Tu n'es pas une charge et tu ne seras jamais une charge. C'est mon devoir de m'occuper de toi, c'est pour ça que je suis là. S'il te plaît, laisse-moi m'occuper de toi. Est-ce que c'est trop te demander? J'ai compris. C'est bon. Mange, d'accord? Je ne veux plus manger. Je vis bien.
Maman? Mmh? Qu'est-ce que tu fais? Ah, ah. J'essaye de laver certains de nos vêtements sales. Oh, maman, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi es-tu si têtue? Ce n'est pas hier que toi et moi on parlait que tu ne dois rien faire dans cette maison. Ma fille, je veux juste l'utiliser comme un exercice, comme ça je pourrai me rétablir rapidement. Maman, tu te plains des maux de corps dans cette maison tout le temps. Comment laver? Peut-être un essai, c'est ce qui t'aidera à guérir. S'il te plaît, non, tu ne dois rien faire dans cette maison. Je sais que tu essayes de me chuchoter comme tu l'as toujours fait, mais maintenant, c'est pas le bon moment. Ma chérie, il n'y a pas de moment approprié pour une grand-mère de chuchoter sa petite fille. Hein? C'est un jour comme celui-ci. D'accord, ma fille. Mais mon maman, je te comprends. Mais attends d'abord que tu sois totalement rétabli, comme ça tu pourras faire tout ce que tu veux pour moi. Hmm? Promets-moi que dorénavant tu ne feras plus rien dans cette maison. Promis. Ok, je vais t'amener dedans. Puis j'irai au champ chercher le maïs pour qu'on puisse le faire au dîner. Quand je serai de retour, je finirai cette lessive moi-même, hein? Mm. Allons-y. Idioma. Désolée. Hein. Que s'est-il vraiment passé? Je lui ai dit de ne plus rien faire par elle-même. Je le lui ai dit. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. Je me suis rendue compte qu'elle n'est pas à côté de moi. Et puis j'ai trouvé son corps sans vie. Elle aurait dû m'appeler. Je le lui ai dit. Ça va. Arrête de pleurer. Ça va aller, ok? S'il y a quelque chose que tu aimerais faire, appelle-moi. Je le lui ai dit. Idée, calme-toi. Dioma, ma fille, s'il te plaît, calme-toi et arrête de pleurer, je t'en prie. Idée, Ibezina, tu as fait tout ce qui est bien, je t'assure, calme-toi. Ibezina, même Dieu a vu tes efforts, ma fille. Arrête de pleurer, ok? Calme-toi, ok? Arrête de pleurer. Oui, arrête de pleurer, Dieu voit tous tes efforts, ok? Oui, calme-toi. Allez, arrête de pleurer, Dieu voit tous tes efforts. Calme-toi. Ha! Elle a vraiment beaucoup fait pour sa mère. Vraiment. C'est bon. Elle a vraiment beaucoup travaillé pour sa mère. Même Dieu a vu ses sacrifices. Idiot. Calme-toi, Elfie. S'il te plaît, arrête. Maman. C'est bon, mon ami. Idiot, calme-toi. 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 C'est bon, ça va aller. C'est très triste comme nouvelle. Maman. Oh mon Dieu. C'est bon, ça suffit. Idioma, calme-toi, ça. Calme-toi, c'est bon. Idjé, c'est bon. Ife, maintenant que l'enterrement est fini, il ne te reste plus rien ici. Je me dis que tu vas partir. Non, je ne vais pas partir.
Je compte rester ici. Ok. Maman avait quelques parcelles de terrain. Je compte les cultiver et aussi m'occuper de ça. Ok. C'est une bonne idée. Ouais, je crois que c'est une bonne idée. Idée. Sache que, peu importe la décision que tu prendras, nous serons toujours là pour te soutenir. Oui, nous sommes ici pour toi. Merci beaucoup. Merci pour le soutien, mes amis. J'apprécie vraiment. Idi, t'as pas à nous remercier. Nous sommes tes amis. Et nous devons être ici pour toi, ok? Idi, j'ai vraiment soif. S'il te plaît, je peux avoir un verre d'eau? Ok, sans problème. Excusez-moi, laissez-moi aller le prendre. Ce terrain sur lequel vous cultiviez, l'avez-vous terminé? Oublie un peu ce terrain. Je suis vraiment désolée pour Idioma. Faisons juste. Ce qui est arrivé. Qu'allons-nous faire, hein? Ça fait vraiment pitié. La pauvre. Ma chère, ce plantain était tellement cher. Cette femme s'attendait à ce que j'achète ce plantain à un prix pareil. Hein? Aussi petit que ce plantain était. Tu ne parles que du plantain. Je ne pouvais même pas. Tout est devenu cher ces jours-ci. On dirait qu'elles ont eu une réunion pour augmenter le prix de tout sur le marché. J'imagine. Ah, ma chère, quitte en route. T'as vu comment ce gars t'admirait? Il ne faisait que te regarder. Il n'a pas pu s'empêcher de te regarder. M'admirer? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas toi qui l'admirais? Tout le monde connaît qui est la plus belle ici. Regarde, regarde, il s'est arrêté. C'est sûr que c'est toi. Tali, Tali. Salut. Excusez-moi, c'est pas à vous que je parlais. Je parlais à votre ami. Quoi? Je m'appelle Kisiriode. Ok, bonjour. Mon père est propriétaire de tous ces terrains. Et je suis le prochain gouverneur de l'état d'Inogo. Comment tu t'appelles? Odu. Oh, quel joli nom pour une belle fille comme toi. Merci. T'habites dans le coin? Oui. Est-ce que ça te dirait qu'on aille dans un endroit où on pourrait s'asseoir pour parler, tu sais, et mieux faire connaissance? Mon ami m'attend. Idée. Idée, attends. Idée. Idée, je suis désolée. Je suis désolée. Pourquoi m'as-tu dit qu'il s'intéressait à moi? Sais-tu à quel point c'était embarrassant? Je suis désolée. Je ne savais pas que c'est moi qui l'appelais. Tu sais, les gars choisissent toujours les plus belles. Arrête de dire ça. Qu'est-ce qui te fait croire que le monde marche de cette façon? De toute façon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, quoi d'autre? T'es belle, je t'aime bien. Les mêmes paroles des garçons. Je suis sûre que t'écoutes ça tous les jours parce que t'es vraiment très belle. Pardon, allons. Idée. Même la reine d'Angleterre n'aimait pas aussi long pour se préparer comme ça. Fais pas attention à elle. Je suis sûre qu'à l'heure qu'on arrivera là-bas, la mariée sera en train de partir avec son mari. Franchement. Je suis vraiment désolée, je suis désolée. J'ai dû fouiller dans la valise de ma grand-mère pour trouver quelque chose à porter. Waouh! Ça peut aller. Idi, ton look est très joli. Tu veux dire que c'est la tenue de ta grand-mère? C'est joli. C'est vraiment très joli, hein? Oui. Ok, on peut y aller maintenant. Ok. Ok. Mais, Idi, pardon, n'essaye pas d'éviter tout le monde, hein? S'il te plaît. Vas-y, dis-le-lui. Regarde comment il brille. On y va. Très belle. Très jolie. Je me suis vraiment régalée avec ce vin. Oh, je ne faisais que boire, boire, et puis boire.
Je croyais que le mariage n'allait plus jamais s'arrêter. J'ai vu. Tu t'es vraiment... Voici le genre de mariage auquel j'aime assister. Quittons en route. Regarde qui s'est fait tomber dessus. Hein? Mais de quoi est-ce que tu sais à quel point la famille de ce gars est riche? C'est le fils du chef Ogbonagbo. Hey! Odjo, de quoi est-ce que tu parles? Hein? Je lui ai juste servi de quoi manger, rien d'autre. Tu lui as juste servi à manger, mais il n'avait que Dieu sur toi. Il ne faisait que te regarder et te regarder. J'ai tout vu. Idjé, t'es là? Idjé! Oui. Oui, elle est vraiment chanceuse. Ah. Mm. Izuma, est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Tout va bien. Ok, je crois que c'est ici qu'on va se séparer. Je vous verrai demain. Hein? Prends soin de toi, oh. Bye-bye. Prends soin de toi. Bye. Idée, tu vas bien? Tu veux dire que c'est lui qui t'a acheté oui. ça? Qu'est-ce que c'est joli. Ça a vraiment du coûter cher. Elle est vraiment chère. Si tu vois la caméra. Elle est bien claire. Et si tu te filmes avec ce téléphone, on croira que t'es à l'étranger. Il m'a même acheté de jolis vêtements de la ville. Il doit vraiment s'occuper de toi. Je suis très contente pour toi. Merci. Attends, ouvre le téléphone. Tiens-toi là. Je vais te filmer. Ok. Allez, souris. Viens voir. Hey, chaud. Je te l'ai dit. Hey. C'est tellement joli. Idjé. Hey. Aïe. Oh. Je vais passer mon temps à prendre des photos dans ce village. Jay. Hey. Regarde. Jay-Z. Regarde comment t'es comme... Allô, maman? Bonjour. Maman? Ok, oui, oui. Je connais le carrefour. J'ai une bonne huile. Ok, je vais te l'apporter. Ok, maman. Excusez-moi. Oui. Un bonjour, instant. Monsieur. Je suis désolée, s'il vous plaît, bonjour. J'essaye de retrouver la maison de Madame Akunadi. J'étais censée l'appeler à mon arrivée, mais ma batterie m'a lâchée. Alors, je ne peux pas la joindre. Je ne sais pas si vous savez où elle est. C'est bon, viens avec moi, je vais de ce côté-là. Oh, viens, suis-moi. Merci, monsieur. Merci, Seigneur.
Maman? Oh, c'est bien. Ouais. Merci beaucoup. Y a pas de souci. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Oui, maman. As-tu oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié. Je l'ai trouvée en route et elle a dit qu'elle venait à la maison, alors j'ai dû l'amener ici. Mais ma fille, tu aurais dû m'appeler au téléphone, comme ça j'aurais envoyé un garçon te chercher et t'amener ici. Tu as raison, maman. Mais ma batterie m'a lâchée quand je suis arrivée au carrefour. Désolée. Heureusement pour moi, je l'ai rencontrée. Ah oui, elle a été chanceuse de me rencontrer. Donne-moi l'huile. Elle est tellement bonne. Laisse-moi maman, aller chercher pas. Ton ça argent. Ça coûte combien déjà? Ça coûte 1500. Ok. Tiens. Monsieur, désolé. Vous m'avez donné plus, j'ai dit 1500. Garde la monnaie pour le stress, ok? Merci, monsieur. C'est rien. Merci beaucoup, j'apprécie. Y a pas de maman, quoi. Merci. À chaque fois que tu auras besoin d'une huile de palme fraîche, fais-le-moi savoir, je viendrai avec ici. Bien sûr, je te mettrai toujours au courant. C'est bon, merci. Maman, je vais partir, je crois que ma voiture sera prête en ce moment. Dans ce cas, qu'elle te suive. Suis-le, comme ça il ira avec toi, afin que tu ne te perdes pas. Okay. C'est ça. Au revoir. Bye au revoir. Bye. Au revoir, je reviens. Ah, d'accord. Hey, Ojo. Désolée. Désolée. Que faisais-tu? Désolée, je faisais le ménage. Alors, est-ce que t'es allée donner l'huile de palme à Madame Adako? Hey, je l'ai fait. Attends, laisse-moi te raconter. Quand j'étais là-bas, j'ai vu son fils. Son fils? Il est tellement beau. Hey! Et il allait très gentil. À te voir parler d'un garçon de cette façon, il doit vraiment être pas mal. Est-ce que je t'ai dit qu'il m'a surpayé? Deux fois le prix. Izioko. Peut-être qu'il t'aime. Oui, il t'aime. Pourquoi le penses-tu? Est-ce que c'est chaque fois qu'un homme surpaye l'huile de palme? C'est évident qu'il t'aime. Il est juste gentil. Ou peut-être qu'il t'aime. Et je parie que c'est le cas. Écoute-moi. Je pense que tu devrais te rapprocher de lui. À t'entendre parler, je vois que t'es déjà intéressée par lui. Alors... Je le suis, mais ça donnera l'impression que je suis désespérée. D'ailleurs, il doit déjà avoir une femme. Est-ce que t'as vu quelque chose qui laissait croire qu'il a une femme? Je veux dire, s'il laisse croire qu'il est célibataire, ma chérie, je pense que tu dois t'accrocher. Accroche-toi avec lui avec force. Hey, ah oui, Ojo. Et puis, regarde, je crois que tu devrais rendre visite à sa mère fréquemment. Je veux dire, tous les jours, va lui rendre visite, aide-la à faire des trucs. Et puis, de cette façon, tu seras capable de... Tu vois un peu. Je ne savais pas que tu avais des techniques aussi coquines ma chère, en toi. Ma chère, nous sommes encore... T'es sérieux? Nous sommes encore célibataires. Et les techniques sortiront tant que t'as pas encore trouvé le mariage. Je suis prête à sortir toutes les fiches pour me marier. Je suis conseillère. Je suis prête. Je suis très sérieuse. Qui est là? Toc, toc, toc. J'arrive. Il y a quelqu'un? Maman? J'arrive. Oh. Maman? Idée. Bonjour, maman. Comment tu vas? Je vais bien. Iya. J'ai essayé de t'avoir par téléphone, mais tu n'as pas décroché. Je voulais te dire que j'ai une huile de qualité. Vraiment? Alors, j'ai décidé de venir te le dire personnellement et prendre tes nouvelles. Iya. Ezibo Mado. Allons à l'intérieur, ma fille. Ok, maman. Hey!
Bonjour, maman. Idiom, comment vas-tu? Je vais bien, merci, maman. Assieds-toi, non? Maman, on dirait que tu te détends bien. Ma chère, je viens juste de finir de cuisiner. J'ai décidé de sortir prendre un peu d'air frais. Maman, tu aimes bien cuisiner. Je pense que nous avons fait une sauce hier. Ma chère, voilà le problème. Mon fils aime de la nourriture fraîchement préparée. Alors il m'a dit qu'il venait aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore arrivé jusqu'à maintenant. Je suis sûre qu'il viendra encore. Je l'espère vraiment. J'ai pensé à venir te rendre visite aujourd'hui. C'est gentil de ta part. Tu vas manger le riz sauté? Volontiers. Alors laisse-moi t'en apporter rapidement. Merci, maman. Oh. Hey, Timo. Tu veux dire que tous ces temps où tu t'es rendu là-bas, tu ne l'as pas vu? Il ne reste pas avec sa mère. Il a sa maison, oui. Tout ce temps, quand je partais, je ne le voyais pas. Oh. Mais bon... Je crois que sa mère m'apprécie beaucoup. On s'entend très bien. C'est ce que j'ai observé pendant mes visites. Elle t'aime? Mais c'est une bonne chose. Si elle t'aime, je suis sûre que son fils t'aimera aussi. Tu sais, t'es une très bonne fille. Oh, Pico. C'est un coup de foudre. Car le premier jour qu'il t'a vu, il a craqué. Arrête de faire tes yeux comme ça. Tu sais qu'il t'aime. Akuma Kaweko Aushu. Tu rugis. T'aimes ce gars, n'est-ce pas? Tu sais que je n'ai vraiment pas demandé. Qu'en est-il de tes parents? Je sais que tu vivais avec ta grand-mère qui est morte. Je suis seule au monde maintenant. J'ai perdu mes parents. Vraiment désolée, mon enfant. Regarde, il n'y a pas que toi. Tu n'es pas seule. Je suis ici pour toi, à partir de maintenant, d'accord?
Je vais te rendre ta gentillesse envers moi. Merci. Merci, maman. Viens là. Désolée, mon enfant. Ça va aller, je suis avec toi. Maman, cette soupe, je t'assure, cette soupe, elle est très bonne. Je peux voir comment tu l'avales. Mais tu me surprends. Tu n'aimais pas la sauce pistachée avant. Pas que j'aime pas ça, mais celle-ci est différente. Peut-être tu l'as cuisinée différemment. Ce n'est pas moi qui l'ai cuisinée, oh. Tu te rappelles de la fille qui m'a ramené de l'huile de palme l'autre jour, Idioma, non? Oh, oui. Oui, c'est elle qui l'a cuisinée. Tu as mentionné qu'elle est venue t'aider? Oui. C'est bien. Elle est bien, en effet. Depuis qu'elle connaît ma maison, elle vient m'aider à faire certaines choses et me tenir compagnie. Et elle est une bonne cuisinière. Une très belle fille aussi, et travailleuse. C'est le genre de fille avec qui tu devrais passer le restant de ta vie. Pas ces filles avec qui tu te pavanes par-ci, par-là. Maman, on n'est pas là pour parler de mariage, ok? Laisse-moi profiter de cette sauce de pistache. J'ai pas dit que tu ne dois pas manger ta nourriture. Mange-la et régale-toi. Mais la vérité reste que... il est temps pour toi de te caser. Ugonna, marie-toi. À ton âge, ton père t'avait déjà. Je ne sais pas pourquoi tu perds du temps. Maman, quand je verrai la bonne fille... je viendrai te la présenter sans doute. Tu veux dire que tu n'as vu aucune bonne fille parmi les filles avec lesquelles tu te pavanes, hein? Maman, avec combien de filles m'as-tu vue? Comment je peux compter quand tu n'arrêtes pas de les changer comme des vêtements? Regarde, il est grand temps que tu te cases et que tu essayes de construire ta propre famille. Maman, quand je verrai une femme que je vais épouser, je viendrai avec elle et je te la présenterai. Eh bien, si tu n'aimes aucune de ces filles, je crois que j'en ai trouvé une pour toi. Et je peux savoir qui est-ce? Cette fille est si belle, travailleuse. Elle fera une bonne femme pour toi. Maman, je profite de ce repas. Ne m'étouffe pas. S'il te plaît, mange ta nourriture. Laisse-moi regarder ce que j'ai posé au feu. Mais réfléchis bien à ce que je te dis. Je vais y réfléchir. Et je te dirai quand je vais trouver une. Bonne dégustation. C'est pas bien. Maman, je suis vraiment désolée que tu ne m'aies pas vue tous ces temps. J'étais occupée par les travaux champêtres. Ce n'est pas un problème, ma chère. Je vais bien. Idée, tu es une très gentille fille. Il y a cette chose dont j'aimerais parler avec toi. J'espère que tout va bien. Tout va bien, ma chère. Juste que... je me suis attachée à toi. Idi, je voudrais que mon fils t'épouse. Je crois que tu feras une bonne femme pour lui. Je ne sais pas quoi dire. Tu connais mon fils, n'est-ce pas? Oui, je le connais. Et tu l'aimes? Maman, c'est à peine si je le connais. Je comprends. Je... vous deux devez apprendre à très bien vous connaître. Je le sais. S'il te plaît, épouse-le. Voudrais-tu manger quelque chose? Je vais seulement boire de l'eau. Juste de l'eau? N'aimerais-tu pas manger de la nourriture? Non, j'ai pas faim. Merci, maman. Ok. Je vais t'apporter de l'eau pour que tu boives. D'accord. Je reviens. Je sais que c'est toujours ça que j'ai voulu. Mais je suis vraiment confuse et... j'ai vraiment peur. Et s'il ne m'aimait pas? Qu'y a-t-il sur toi qu'on n'aimerait pas, Iji? T'es une fille très gentille. Et puis, c'est tout le monde qui t'aime. Ok? Écoute.
La chose la plus importante, c'est que sa mère t'approuve. Et je sais qu'elle t'aime. Hmm? Et je suis sûre qu'ils ont parlé de ça avant de te le demander. Ok, mais je ne sais pas comment me comporter. Comment te comporter? Sois juste toi-même. Je veux dire, sois juste toi-même. Tu sais, t'es une fille très gentille. À l'intérieur comme à l'extérieur, sois juste toi-même. Tu sais, je ne sais même quoi te dire. Sois juste toi-même, ok? Je sais qu'il va t'aimer. Ok. T'as pas l'air de croire en ce que je viens de te dire, n'est-ce pas? Il va t'aimer, ok? T'en fais pas, il va t'aimer, ok? T'es une fille très gentille, d'accord? Ok. Alors, voilà, t'as cuisiné quelque chose? Eh, va à la cuisine, non? Tu sais où ça se trouve. Viens, accompagne-moi. Non, je ne viens pas. Accompagne-moi. Allez, bon. Hey, toi, je ne viens avec toi. Maman, je suis prête. Tu es prête? Oui. C'est d'accord, je l'ai déjà appelée pour lui dire que tu arrives. Mm-hmm. J'espère que tu trouveras ton chemin à l'endroit. Bien sûr, je le ferai. Très bien. Ok, je reviens tout à l'heure. Prends ton temps, ma fille. Hey! Ta-ta-ta! Qui est là? Ah. Bonjour. Tu es là? J'espère que c'était pas difficile de trouver cet endroit. Non, pas du tout. Tu sais, la description de maman était claire. D'ailleurs, ta maison n'est pas aussi loin. Ah oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu m'as apporté? La sauce gambo. Elle m'a dit que c'est ta préférée. Mm-hmm. J'espère que tu vas l'aimer. Eh bien, si c'est comme celle que j'ai goûtée dans la maison de ma mère, alors je vais l'adorer. Allez, viens, viens, entre. Après toi. Merci. Cette nourriture est très délicieuse. C'est très délicieux. Merci. Par là, la cuisine. D'accord, merci. Alors, qui t'a appris à cuisiner aussi bien? C'est ma mère qui m'a appris. Elle était une très bonne cuisinière.
C'est l'une des choses qui me manque le plus sur elle. Oh oui, ma mère m'a parlé d'elle. Et j'ai aussi entendu que tu n'es pas de ce village. Oui, je ne suis pas de ce village. C'est mon village maternel et c'est le seul foyer que je connaisse. Quand mon père est décédé, ma famille paternelle nous a chassés, ma mère et moi. Alors, nous sommes venus habiter avec la tante de ma mère. Évidemment, la tante de ma mère est aussi décédée. Nous sommes restés dans ce village. Il n'y avait plus que ma mère et moi. Malheureusement, ma mère les a suivis. Alors je suis restée là-bas jusqu'à pas longtemps. Ma grand-mère ne se sentait pas très bien, alors j'ai décidé de revenir pour m'occuper d'elle. Malheureusement, ma grand-mère est aussi morte. C'est triste. Alors, j'ai décidé de rester ici, m'occuper de ces champs et les cultiver. Donc, je suis seule dans ce village, en dehors de ta mère qui était comme une mère pour moi. Quelle histoire. Oui, ma mère m'a tout dit. Et elle a aussi dit que tu lui as été d'une grande aide. Qu'est-ce que tu fais? J'espère que ça ne te dérange pas que je te le demande. Je suis juste curieuse. Oh oui, je fais dans l'agriculture. La pisciculture. Je veux dire, tout ce qui a à voir avec la volaille, c'est ce que je fais. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment énorme. Je sais. Alors, dis-moi la façon dont tu cuisines. Je veux dire, la viande, comment l'as-tu assaisonnée? C'était tellement épicé. Ok. Qu'est-ce que tu as utilisé? Je l'ai juste lavée. Je l'ai mise dans la marmite avec du piment, du sel, du cube. Puis j'ai mis à feu d'eau pour que ça puisse mijoter. Et comme rien d'autre. Comme ça donne un goût plus épicé. Oignon, l'oignon aussi. Oui. Je vois tout. Je dis désolé de t'avoir gardé aussi tard. J'étais vraiment à fond dans notre causerie. Ok, je comprends. J'ai aussi aimé ta compagnie. Pareil que moi. Merci pour tout. J'espère te revoir encore. Tu sais, tu as un très beau sourire. Merci. Pas de quoi. J'ai adoré le repas, j'ai tout adoré. C'était sympa. Il n'y a pas de quoi. Passe une bonne nuit. Et toi aussi. Au revoir. D'accord. De toute façon, il n'arrêtait pas de me regarder dans les yeux quand on parlait. Et puis, il m'a demandé si on se reverra. Ne t'ai-je pas dit qu'il allait t'aimer? Hein? Regarde comment il te rend heureuse. Je suis vraiment heureuse, je ne peux pas te mentir. Je sais. Aucun homme ne m'a jamais regardée de la sorte. Au point même où je me demandais déjà si je ne suis pas maudite.
que c'est pour ça que les hommes ne me trouvaient pas attirante. Mais maintenant, je sais qu'il n'en est rien. Ne sois pas bête, Idi. Comment peux-tu penser à une telle chose à propos de toi-même? Regarde. Bien que t'aies excité à propos de cette relation entre vous deux, tu sais, tu dois encore être prudente, d'accord? Vas-y doucement avec lui. Tu me comprends? D'accord, je le ferai. Ok, faut que je parte. D'accord. À plus, d'accord. Prends soin de toi, d'accord. Je te vois plus tard. Bye bye. Je te verrai demain, d'accord? D'accord. Alors, maman, comme tu as dit, elle a l'air d'être une bonne fille. Et elle est un peu réservée. Voilà, je l'ai dit. Je crois que je vais continuer à l'observer. Mais voyons à quoi ça va mener. Il n'y a pas de voyant. Vous allez juste continuer à vous voir. Comme ça, vous pourriez me donner des petits-enfants. Maman, je ne peux pas me précipiter une chose à la fois. Je sais. Hein? Je sais. Tu l'as vu, je crois que tu l'aimes. Donc, la prochaine chose est de te dépêcher et l'épouser. Maman, il n'y a pas de précipitation pour se marier. Ok, vas-y, dépêche-toi. Fais-le rapidement et épouse-la. S'il te plaît, j'ai besoin de petits-enfants. Je le ferai, mais il n'y a pas de précipitation à se marier. Dis-moi voilà pourquoi juste quelqu'un oui. comme Shidox n'est toujours pas marié. Dis oui. Vas-y, ok, dépêche-toi. C'est bon, maman, oui. Maintenant tu parles. Maintenant tu parles. Mais dépêche-toi. Enogo, Ogabie Chemado. Le temps n'attend personne. J'ai pas dit que le temps m'attendait, mais je ferai de mon mieux. Dépêche-toi. Je vais me dépêcher. J'ai hâte de porter mes petits-enfants. J'ai hâte aussi. Thank you.
n'est-ce pas? Hein, ma fille, comment ça se passe entre toi et Hugo? Très bien, maman. Je l'aime. Vraiment? Il est également amoureux de toi. S'il vous plaît, dépêchez-vous et donnez-moi mes petits-enfants. Hé, maman, t'inquiète pas. Le moment venu, tu auras tes petits-enfants. Je suis pressée, oh. J'ai hâte, s'il te plaît. Idje, tu es en train de sortir? Oui, je vais au champ. Les gars ont besoin de moi. Ok. Ok, je vais rentrer très vite, d'accord? D'accord. Conduis prudemment. D'accord. Bienvenue. Merci. Je suis désolé de t'avoir fait attendre. C'est pas grave. Oh, je suis allé chercher ça pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un formulaire de scolarisation, formulaire d'examination. Quoi? Merci. Merci beaucoup. Wow. C'est bon. Je sais que tu as toujours voulu être diplômée. Et je vais m'assurer que tu réalises cela. Merci beaucoup. En fait, tu es une bénédiction pour moi. Merci. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse aussi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bien. Je suis sûre que tu as faim. Oui. Je vais te chercher quelque chose à manger. D'accord. Je vais également me changer. D'accord.
Idioma, reviens ici. J'ai dit reviens, je suis en train de te parler. Je te parle, comment oses-tu me laisser planter? Comment oses-tu? Hein? Ogu, tu ne t'attends pas à ce que je reste là à t'entendre me dire tout ça. En quoi est-ce que j'ai tort si ton cousin m'admirait comme tu me l'as dit? Comment est-ce que ce n'est pas de ta faute, Idioma? Comment est-ce que ce n'est pas de ta faute que tu portes une robe aussi courte? Dans ce genre d'endroit, juste pour aller aux toilettes, tu balances tes hanches. Hein? Donc tu veux m'en vouloir? Hein? Quand tu portes des vêtements aussi courts tout le temps. Ogu, c'est toi-même qui m'as acheté cette robe, tu ne te rappelles pas? Je l'ai achetée pour toi, mais je t'ai pas demandé de la porter dehors. T'étais censé la porter juste dans la maison. Ok, tu es allé dedans. En sortant, tu es allé te changer à l'intérieur. Tu es sorti, tu as mis cette robe et tu as vu qu'elle était courte. Pourquoi tu l'as pas changée? Pourquoi tu l'as pas changée pour un bagne? Ou mieux encore porter tes longues robes. Tu l'as toujours portée. Ogu, je suis vraiment très fatiguée. Je vais aller à l'intérieur me reposer. Je ne sais pas pourquoi tu boudes. Oh, Idioma. Je bourde. Idioma, tu dis que je bourde. Maintenant, je bourde. Ogu, ça... Comment oses-tu me dire ça? Qu'est-ce que tu racontes? As-tu déjà entendu qu'un homme bourde? L'as-tu déjà entendu? Hein? Et tu oses me dire que je bourde? Est-ce que les hommes bourdent? Je t'ai posé une question. Parle! Regarde ce que tu portes. Tu portes une courte robe, on dirait une musicienne. Tu portes une courte robe, on dirait une star. Tu vas pour chanter? Je dépense mon argent. Allez, dégage de là! N'importe quoi. Je dépense mon argent pour t'acheter des vêtements. Et toi, tu les portes pour sortir. Idi, s'il te plaît, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui m'est arrivé. S'il te plaît. Pardonne-moi. Ça ne se reproduira plus. Je te le promets. Idi. Est-ce que tu vas me pardonner? Je suis désolé, j'étais juste, en fait, oublié tout ça, je suis désolé. Mais ça ne se reproduira plus. S'il te plaît. Idié. Bienvenue. Je t'ai apporté un cadeau. C'est un téléphone. C'est un téléphone. Merci. Merci. Est-ce que tu aimes ce téléphone? C'est bien. Idi, s'il te plaît, pardonne-moi. Idi, je suis désolé. Je t'en prie, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Je te pardonne. Merci de m'avoir pardonné. C'est bon. Tu veux manger quelque chose? J'ai fait de la cuisine pour toi. Oui, j'ai très faim. D'accord. Hey, chérie, attends. Didier, souris. J'aime quand tu souris pour moi. Hein? Laisse-moi. Allez, souris pour attends, moi. Laisse-moi aller prendre à manger pour toi. J'ai souri, c'est bon. J'ai souri. T'en es sûr? Tu sais, c'est quand bon. Tu souris, je suis très content. Voilà, j'aime ça. Vas-y, prends ton cadeau. Après, tu me diras si t'es pas contente. Maintenant, je suis contente. Regarde-toi.
pas du haricot. Tu veux dire qu'il t'a giflé juste parce que son cousin t'admirait? Écoute-moi, IJ, ça c'est un drapeau rouge. Il s'est excusé auprès de moi. Je crois qu'il regrette. C'est comme ça que ça commence. Ils le font la première fois et ils s'excusent. Tu les pardonnes et ils le font à nouveau. Ensuite, ça devient un cercle vicieux. Oh. Dis-moi, qu'est-ce que tu suggères? Je dis que tu devrais aller doucement avec lui. Je veux dire, sors de ce mariage. Hé, hey, allez, Ojo. Tu sais que cela n'est pas possible. Il est trop tard. Le mariage est déjà en cours de préparation. Et je pense que c'est juste de la jalousie. La jalousie est un sentiment normal, surtout pour quelqu'un qui est amoureux. Il a dit qu'il est désolé. Je suis sûre qu'après le mariage, cela n'arrivera plus. Je ne le crois pas. Je prie que ce soit le cas. Je prie que ce soit le cas. Je veux dire, il a commencé à te frapper. À te gifler. Juste parce que son cousin t'admirait. Ce n'est pas du tout bon. Ça ne l'est pas. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Je ne le suis pas. Femme mariée. Le mariage te convient vraiment. Franchement. Regarde comment tu brilles. Regarde ta coiffure. T'es tellement jolie. Et ton maquillage. C'est toi-même qui as fait ça. Et tiens, je vois. Étonnant que tu ne viennes plus nous voir, ou tu et moi, comme ça. Voici ce que tu profitais. Franchement, c'est pas ça. Hugo me laisse à peine sortie de la maison. En plus, je marche partout et tout le temps pour mon admission à la fac. Wow. Hey, ici Hugo. C'est vraiment bien réfléchi par Hugo de te faciliter l'obtention d'une licence. Tous les hommes ne peuvent pas faire une chose pareille. Félicitations, mon ami. Donc tu seras bientôt diplômée. Hein? Une diplômée. Je suis tellement contente pour toi. Je le suis aussi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Chérie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Sois le bienvenu. Bienvenue. Y a-t-il un problème? Il n'a pas l'air content. Il dit... Va vérifier ce qui ne va pas avec lui. Oui. Il va bien, il doit juste être fatigué. J'irai regarder plus tard. Dis-moi, comment se passent les préparatifs de ton mariage traditionnel? Oh, je t'assure, c'est pas facile. Tu devrais bien le savoir. Oui, c'est vraiment beaucoup de stress. Dieu merci. Mais bon, j'irai à Onisha ce week-end pour le tissu du paille. Notre paille. Hey. Oui, notre paille. Hey. Quand je serai de retour, je t'apporterai personnellement le tien. Je ne peux pas manquer.
Fais-moi confiance, je serai bien là. Ok, on sera toutes les deux là. Je te fais confiance. Nous irons leur montrer que elle a des amis. Nous allons casser le coin. Il le fera. Et qu'est-ce qu'elle faisait ici? Juste une visite. Te rendre visite pour quoi? Ce sont mes amis. Doit-il avoir une raison pour me rendre visite? Tu sais pas que t'es une femme mariée? Idi, ne sais-tu pas que tu es mariée et que tu n'as plus besoin de sa fille célibataire comme amie? Tu ne le sais pas? Avant qu'elle ne commence à te mettre des idées stupides dans la tête. Pour l'amour de Dieu, Hugo, ce ne sont que mes amis. Quel genre d'idées stupides vont-elles mettre dans ma tête? Ok, tes amis, je ne veux plus les voir dans cette maison. Est-ce que c'est clair? Je ne veux plus les voir dans cette maison. En fait, mets-les de côté, ok? Mets-les de côté en tant qu'amis. Hugo, tu ne peux pas me demander de faire ça. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas me demander d'arrêter toute relation avec mes amis, les seuls que j'ai pu avoir depuis mon enfance. Ce sont des bonnes personnes. Je m'en fiche qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'ai dit ce que je viens de dire. Mais les deux côtés. Ce sont des gens bien. Et je te le répète encore. Mais les deux côtés. Pourquoi elle ne décroche pas mes appels? Où est-ce qu'elle est allée pour qu'elle ne décroche pas mes appels? Hein? Ok. Tu reviendras me retrouver dans cette maison. Comme t'es allée quelque part, tu ne décroches plus à mes appels. Tu reviendras me trouver dans cette maison. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu rentres. N'importe quoi.
D'où est-ce que tu sors? Ah ah. Hugo, je reviens du marché. C'est pas évident que je sors du marché. Didier, tu me questionnes? Hein? Tu viens de me questionner? Je suis désolée. Je suis allée au... Tu es quoi? Quel genre de marché es-tu allée? Quel genre de marché? Un marché où t'es allée depuis le matin? Et tu rentres à 7 heures. Alors t'es allée au marché. Et je t'appelais plus de 20 fois. Tu n'as répondu à aucun de mes appels. Quel genre de marché es-tu allée? Ah, désolé, mon téléphone était à l'intérieur du sac. J'ai pas entendu sonner. Tu ne savais pas quoi? Tu ne savais pas quoi? Hein? Hugo, tu m'as giflé. Je te giflerai encore et encore. Si tu n'arrêtes pas de me mentir. Oh, t'es allé chez un homme. C'est pourquoi t'as refusé de décrocher. Cependant, je t'ai appelé plus de 20 fois et tu n'as pas décroché. Donc, quel genre de marché? Es-tu la première femme qui va au marché? Que des conneries. Hugo, tu m'as giflé. Idiot. Si tu parles encore, je vais te gifler. Et si tu essayes ça pour la prochaine fois, je vais m'assurer de te tuer. Que des foutaises. Allez, mets ces choses à l'intérieur. Mets-les à l'intérieur! Je suis allé au marché. T'es la seule qui sait aller au marché? Je suis allé au marché. Ton téléphone était dans ton sac. Et t'es habillé comme ça. Regarde. Regarde ton visage. Viens maquiller pour le marché. Pour acheter quoi? Hein? Ujoma, je suis vraiment désolé. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. La vérité, c'est que j'appelais ton numéro. J'ai appelé, mais tu ne décrochais pas. J'ai appelé plus de 20 fois, t'as pas décroché. Alors je croyais que tu es allé... Était où? Que j'étais peut-être allée voir un autre homme? Pourquoi ne me fais-tu jamais confiance? T'ai-je déjà donné une raison pour que tu doutes de moi et penses que je suis infidèle? Tu sais, ces claques qui viennent et reviennent ne s'arrêteront jamais. Tu ne veux pas que j'aille rendre visite à mes amis? Elles viennent ici. Tu te plains toujours. Tu dis que tu n'es pas d'accord avec ça. Je suis désolé. Quand tu m'achètes une tenue, si j'ose sortir de cette maison et que quelqu'un d'autre apprécie, ça devient un autre problème. Tu deviens énervé et en colère. Tu commences à me frapper. Jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Quand tu as terminé, tu viens maintenant t'excuser. Ijoma, je suis désolée. Ça ne se reproduira plus. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est la dernière fois. Ça ne se reproduira plus. Mais ça n'arrête pas de se répéter encore, encore et encore. S'il te plaît, Ijoma. Je te promets que ça n'arrivera plus. Je te promets, ça n'arrivera plus. C'est juste que j'ai peur. J'ai tellement peur de te perdre. Et j'ai vraiment pas envie de te perdre. Hugo, je suis fatiguée. Oh non, je t'en prie. Je t'assure, je suis fatiguée. Je t'en prie, ne fais pas ça, je t'en prie. Et dis, je te jure que ça ne va plus arriver. Ça n'arrivera plus jamais, je te le jure. S'il te plaît, je t'en supplie. Regarde dans mes yeux et vois que je suis sérieux. Je l'ai eu. Thank you.
Diama. S'il te plaît, dépêche-toi. Je vais te déposer et aller ailleurs. Tu comprends? Dépêche-toi. J'arrive. J'arrive, tu arrives. Viens et allons-y. Idée. Où est-ce que tu vas habiller comme ça? Habillé comment? C'est juste un pantalon et un haut. Ouais, c'est ça, juste un pantalon et un haut. Hein? Juste un pantalon et un simple t-shirt. Regarde partout est visible. C'est ce que tu veux porter pour aller à l'école? Hein? Tu veux mettre ça pour aller dans ce campus pour que tous ces garçons regardent tout? Regarde, tout est transparent. Toutes tes formes, tout ressort. C'est ce que tu veux porter pour aller au campus? Comme ça, ils te verront. Non. Mais c'est toi qui as acheté ça pour moi. Oui, je l'ai acheté pour toi. Est-ce que je l'ai acheté pour que tu le portes pour l'école? Allez, parle. Est-ce que je l'ai acheté? Je ne l'ai pas fait pour que tu le portes dehors, non. Je l'ai fait pour que tu le portes à la maison pour moi. Pas pour que tu sortes avec. C'est pas pour ça que je te l'ai acheté. Je l'ai pas acheté. Je l'ai acheté pour voir les courbes. Pas pour que les autres le regardent. Regarde tout. Regarde-toi. Va dans la chambre te changer et mets quelque chose de mieux. Hugo, s'il te plaît, non, nous sommes déjà en retard. Nous sommes en retard, est-ce que je me plains? Va des dents te changer. Va, t'as pas de pagne? Hein? Tu n'as pas de pagne à deux pièces? Va attacher le pagne à deux pièces. Cherche une blouse et porte-la. C'est comme ça que tu devrais t'habiller. Exactement comme une femme mariée où tu veux sortir. Oh, oh. Oh, tu le caches. Tu veux pas qu'il sache que tu es une femme mariée? Oui, c'est ce que tu essayes de faire. Sinon, pourquoi t'attaches pas de pagne? Mets un pagne, une blouse ou une dentelle et va à l'école. Qu'il voit que t'es une femme mariée, une femme mature, hein? Tu veux porter une chose transparente pour qu'il voit tout, c'est ça? Regarde ta poitrine, tout est visible. Regarde toi-même, regarde, tout est debout. Va à l'intérieur, mets-toi quelque chose de convenable, digne d'une femme mariée. Désolé. Parce que je te l'ai acheté, tu veux le porter pour dehors. Tous ces pagnes à deux pièces et ces grosses blouses là, tu peux pas les porter? À chaque fois, tu dis, t'as besoin d'une blouse, un pagne, pour coudre quelque chose. Je les achète pour toi. Et tous ces je les achetais pour que tu les portes à la maison. Ou chaque fois que nous sortons ensemble, tu veux le porter pour le campus. Comme ça, tous ces garçons vont te regarder. Ils vont aimer ce qu'ils voient. Même s'ils ne viennent pas vers toi, tu sais pas que ce qu'ils voient, tu leur donnes ça déjà gratuitement. Qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est pas comme ça que les femmes mariées sont censées se comporter. Oh. Change-toi et mets un pagne. Si tu ne le vois pas, porte ce que tu as porté lors de l'enterrement de cette femme. Ces tissus-là. Oui, porte ces tissus. Ben voilà! Il dit... Voilà! Voici ma idioma. Idioma. C'est comme ça que tu devrais t'habiller. C'est comme ça qu'une femme mariée s'habille. Même comme tu laisses... Tout ça doit aller derrière. Ah! Attache! Tu vas voir les... Oh, j'ai même une corde. Tu rassembles les cheveux, voilà. Tu les rassembles très bien. C'est comme ça que tu devrais t'habiller. Pour que tu sois différente des autres. Voilà. Idioma. Tu ressembles... Voilà, tout est bien, le maquillage est bien, tout est couvert. Voilà à quoi tu devrais ressembler, porte ton sac. Maintenant, tu portes ton sac, accroche-le comme ça. C'est comme ça qu'une femme mariée doit être. Hein? Voilà, allez, on y vient, je te dépose. C'est comme ça que tu dois t'habiller. Tout le temps, tu veux montrer ton corps, c'est pas bien. Maintenant, t'es une femme mariée. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Je ne le fais pas juste comme si j'étais fâché ou autre chose. Tu comprends? Alors tu dois juste être contente. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux.
Tout ce que je fais, c'est de te faire avoir l'air responsable devant les gens en tant que femme mariée. C'est tout. Souris un peu pour moi. Regarde comment t'es jolie. Voilà mon camarade. Je suis sûr qu'il sera au cours. Portons-le, le voilà qu'on laisse. C'est lui avec la chemisette rayée. Que je fasse quoi? Il va dans la même direction que nous, non? Tu peux juste le porter. Oh, je dois utiliser ma voiture pour porter ton petit ami. Hein? Je dois utiliser ma voiture pour porter ton petit ami parce que je t'amène à l'école. C'est ce que tu veux que je fasse? Oh, tu me prends? Tu crois que je suis stupide? Hein, idiot? Désolé, je suis désolé. Non, c'est pas bon, tu crois que je suis con? Tu crois que je suis pas au courant de ce qui se passe? Voilà! C'est ce que vous, les femmes mariées, vous faites! C'est ça! Je suis stupide, donc je dois porter ton petit ami. Oh, Seigneur Dieu du ciel! Y a rien que je veux pas voir dans ce monde. Je dois t'aider à porter ton petit ami. J'ai dit que j'étais désolé. Tu ne l'es pas, si tu l'étais, tu n'allais pas le dire! Idioma! Tu n'allais pas le dire! Oh! Idiot, moi, selon toi, je suis un idiot. Je ne sais rien, donc je ne suis pas allé à l'école. Je ne sais pas comment vous vous comportez. Je dois m'arrêter pour porter ce garçon. Ok. Ok. Il n'y a pas de problème. Oh! Au revoir, d'accord, pas de soucis. Toi, on est toujours en train de t'envoyer des messages. Tu ne peux pas aller de temps en temps toi-même regarder le tableau d'affiche pour voir ton nom à l'intérieur. Mais tu sais comment ces choses marchent, non? C'est un processus progressif, ok? C'était très bien aujourd'hui, de toute façon. Oui, j'ai vraiment aimé le cours de ce professeur. Il a une façon particulière d'expliquer les choses. Pas comme les autres enseignants qui ne font que crier et parler n'importe comment. Oui, c'est vrai. Il est très bon. Tu sais, il dit souvent qu'il a obtenu sa licence, son doctorat et tout le reste. Mais c'est vrai, non? Ne peux-tu pas voir? C'est évident. J'ai hâte de réussir avec des bonnes notes. Bien sûr, c'est notre plus grand souhait. Oui. Voilà mon mari. Viens, comme ça tu pourras le saluer. Donc c'est ça que tu fais? Hugo, vas-y, Tobé. Tobé quoi? Donc c'est ce que tu fais? Hein? Alors c'est ce que tu fais? Non, il est mon camarade. Oui. Oui, lui c'est mon mari. Bonsoir, dégage monsieur. Dégage-toi là! Regarde son t-shirt. Bad gang leader. C'est ça que tu suis? Hein? Alors si je venais pas voir dans ton école ce que tu faisais, je n'aurais été jamais au courant de tout ça. Hein? Regarde l'école, regarde partout. Il n'y a aucune fille, rien que toi. Tu es la seule fille aux environs, une femme mariée. Et tu es placée avec un homme, en train de rire bêtement, juste comme ça. Hugo, tu me fous vraiment la honte. Je te fais honte sur mon argent. L'argent que j'utilise pour prendre soin de toi, avec mon propre argent. C'est ce que tu essaies de me dire. Parle. Tu es dans cette école pour suivre les hommes, c'est tout ce que tu fais. C'est tout ce que tu fais, voilà pourquoi tu veux porter des collants pour venir à l'école. Allez, parle. Hugo. Regarde-toi, j'ai même attaché tes cheveux avant que tu ne viennes à l'école ce matin. Regarde. Regarde, tu les as détachés à cause de ce bad gang leader. Mais monsieur... Hey, tais-toi. C'est pas toi que je parle à mon agent. Je ne m'adresse pas à toi, je parle à mon agent. Tu entends? N'ose pas m'adresser la parole. Alors c'est ça. Tu viens à l'école, tu peux venir avec les garçons. Regarde. Aucune fille dans les environs. Au goût, s'il te plaît. Dans la voiture. Bébé, dans la voiture. Je t'ai demandé d'entrer, alors tu entres. Et toi, ne va pas chercher ta femme. Entre.
Ne pars pas te marier. Cherche ta femme et marie-toi. Épouse celle que tu vas instruire. Et tu vas voir comment ça fait mal. Cet argent que je dépense. Tu sais combien ça coûte ces vêtements? Tu sais même pas. Tu te plains. Je pensais que tu pouvais conduire une voiture. Tu n'as rien. Allez, dégage de là. Tu n'as rien. Regarde-toi. Bad gang leader. Dégage. Espèce d'idiot. N'importe quoi. Tu gâches la vie des gens. Tu sais combien je dépense? Elle ne veut pas cuisiner, mais elle va à l'école pour suivre un homme. Maman, j'ai été vraiment embarrassée hier à l'école. Je suis sûre que je deviendrai un sujet de conversation une fois que mon camarade aura tout raconté aux autres. Hé, hey. Je ne savais pas que Hugo était ce genre de garçon. Je veux dire, je ne l'ai pas élevé de cette façon. Hein? Ça va aller, mon enfant. Je vais lui parler. Je t'assure, maman, s'il te plaît, fais-le. Fais-lui savoir que jamais je ne le tromperai. Je ne mépriserai jamais notre mariage. Je sais. Je ne suis pas une personne ingrate. J'apprécie tout ce qu'il fait pour moi. Et je ne pourrai vraiment jamais le décevoir. Je le sais, mon enfant. Ne t'en fais pas, je lui ferai comprendre, d'accord? Tu comprends? Sois juste heureuse. Ne te sens Merci, pas du tout maman. Mal. Je savais que venir à toi m'apporterait beaucoup de soulagement. Merci beaucoup. De rien. Tu es très jolie. C'est ton fils, non? Et tes tresses aussi. Je les aime. Merci, maman. Oui, ma fille. Merci. Je suis contente pour toi. Merci. Alors, à quelle heure vont finir tes cours? Aux environs de 13h. 13h. Ok, je serai ici à t'attendre. Tu veux rester assis dans la voiture à m'attendre? T'as un problème avec ça? T'as dit que tes cours se font pendant 4h. Et là, il n'est que 9h. Après 10h, 11h, 12h, 13h.
C'est que 4 heures, c'est pas un problème, je serai là. Je vais t'attendre. Hugo, ce n'est pas nécessaire. Tu peux aller faire tes affaires pendant que... Moi, je vais assister au cours. N'es-tu pas mon affaire? Hein, Idioma? Ne fais-tu pas partie de mon investissement? Ouais, tu fais partie de mon investissement. Tu veux que je parte pour qu'après tes cours, pour que tu commences à te balader partout avec tes petits amis, là. C'est pour ça que tu veux que je parte? À cause de ce que t'as fait la dernière fois, je t'ai pas touché. Parce que la dernière fois, je t'ai pas répondu, tu veux encore essayer. Écoute, je serai ici à t'attendre, d'accord? Tu as 4 heures. Alors, ça veut dire que tes cours vont finir à 13 heures. 5 minutes après 13 heures, je veux que tu sortes de ce bâtiment et que tu viennes entrer dans cette voiture. Comme ça, on pourra rentrer ensemble, d'accord? Donc, je t'en supplie, je veux pas de problème. Vas-y, après tes cours, tu reviens. Hugo, tu penses que je sais pas ce que vous faites? Vas-y, je t'attends ici, j'ai pas de problème. Tu fais partie de mon investissement. Je suis là, je t'attends. Hugo, s'il te plaît, arrête, arrête. Oh, tu veux pas aller au cours, c'est ça? Ok, bah, rentrons alors. Je t'ai dit d'aller au cours, tu me racontes? Je suis là, 5 minutes après les cours, tu es dans cette voiture. Tu sors de là et tu entres dans cette voiture pour qu'on rentre ensemble. Je suis très sérieux là. Sinon, je viendrai vous rejoindre dans vos cours, là. Je t'ai prévenu. Tu me demandes de rentrer. Regarde, regarde-toi. T'arrives même pas à marcher comme une femme mariée. Hein? Marche, marche comme une femme mariée qui va à l'école. Tu es là à te déhancher les hanches. Je suis là, je ne vais nulle part. Mes téléphones sont ici, je vais entendre toutes les nouvelles. Je vais écouter tout étant ici. Je sais pas ce que tu me racontes. T'es juste là en train de plaisanter. Hein? Un homme marié, tu me demandes de rentrer à la maison pendant que mon investissement est ici, pour que d'autres hommes en profitent. C'est pas possible. C'est pas comme ça que les hommes d'affaires fonctionnent. Là où se trouve ton investissement, c'est là où tu dois être. Et c'est là où je suis. Tu me demandes de rentrer. De toute façon, il y a de l'eau à boire ici. Tu me racontes une... Je me suis préparé. Commençons donc. Mon fils. Maman. Les choses comme ça ont un moyen de détruire les mariages. Tu as épousé une jeune fille décente. Elle ne se comportera jamais mal. Maman, tu connais pas toutes ces jeunes dames. Tu sais pas comment elles se comportent dès qu'elles sont à l'université. Maman, tout ce que j'essaie de faire, c'est qu'elles ne tombent pas dans cette vie-là. C'est tout ce que j'essaie de faire. Un excès de tout est mauvais. Tu dois aller doucement avec elles. Maman, je ne fais que la surveiller. Surveille-la, oui. Mais ne le fais pas trop. Chérie, comment tu me trouves? Et où est-ce que tu vas, habillée comme ça? Je te l'ai dit, au mariage traditionnel des Neka. C'est aujourd'hui, je suis fille d'honneur et voici notre modèle. Fille d'honneur? Fille d'honneur et voici ton modèle. Fille d'honneur, c'est pas pour des jeunes filles qui cherchent... Des maris? Est-ce que tu cherches un mari? Suis-je déjà mort? Va dedans et enlève cette chose. Tu pars à un mariage et puis quoi? Non, bébé, tu ne peux pas faire ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Je t'ai parlé de ça depuis longtemps. Tu le sais. Neka, c'est mon amie d'enfance. Je n'ai aucune envie de la décevoir.
Tu ne peux pas la décevoir. Tu n'iras nulle part habillée comme ça. Tu n'iras dans aucun mariage traditionnel, encore moins te laisser sortir de cette maison. Tu n'iras nulle part. Hugo, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Essaye. Essaye pour voir. Hugo. Essaye. Que je sorte et revienne, je ne te trouve pas dans cette maison. Tu vas voir ce que je vais te faire. Fête de mariage. Tu t'habilles, on dirait un monstre. Essaye pour voir. Non. J'irai à ce mariage traditionnel avec ton consentement ou pas. D'où est-ce que tu viens? Bonsoir. Au mariage traditionnel. Mariage traditionnel. Hugo, s'il te plaît, j'ai eu une journée très mouvementée. Je ne me suis même pas assise. Je suis fatiguée, je veux me reposer. J'ai le cran d'aller dans ce mariage après que je t'ai dit de ne pas sortir de cette maison. Tu m'as désobéi et t'es allée dans ce mariage. Et maintenant, tu reviens, tu entres dans ma maison. Didier, porte ton bien, retourne là où tu viens. Parce que tu vas pas entrer ici. Repars avec cette tenue. Va rejoindre tes soi-disant amis dans ton club. Et reste là-bas parce que je te laisserai pas entrer dans ma maison. Hugo, où veux-tu d'autre que j'aille? Je suis fatiguée, voici ma maison. Je t'ai dit de repartir, alors tu sors. Je te fous le con. Dehors. Sors de ma maison. Retourne d'où tu viens. Regarde là. T'as l'audace et le culot de revenir. Et tu veux entrer chez moi? T'es sérieuse? Tu quittes ma maison et pourtant je t'ai bien prévenu. Tu as trouvé mieux de sortir pour aller rejoindre tes amis. Ok? Tu pensais que j'étais mort. Donc vous voulez me tuer? Tu veux me tuer? Tu veux que je meure pour que tu cherches un autre mari? C'est ça que tu veux faire? Je te donne de l'argent pour autre chose. Tu t'en vas coudre un habit. Tu vas coudre du n'importe quoi. Et tu vas entrer dans ma maison. Tu vas entrer chez moi, regarde-toi. Un parfum masculin, ça sent autour de toi. Tu reviens comme si rien n'était. Allez, reviens pour voir. Je serai là jusqu'au matin. Tu t'entends parler? Tu me diras si c'est moi qui t'ai épousé ou c'est toi qui m'as épousé. Je t'ai épousé, je t'ai mis à l'école, j'ai tout fait pour toi. Et maintenant, tu es une fille sage qui réfléchit. Tu vas maintenant à l'école. Tu es maintenant maligne. Et maintenant, tu te places devant moi pour me dire quoi faire. Hein? Allez, viens passer. Je t'appelle Idioma. Viens. Foutaise. Tu veux me tester? Parce que je suis calme. J'arrive toujours pas à croire qu'Hugo t'a fait ça juste parce que t'es venu au mariage de Neka. Hein? Tu ne peux même pas imaginez ce que j'ai pu endurer. Au nom du mariage. Il ne me laisse pas. Même pas un peu d'espace. Il surveille tout ce que je fais. Il n'hésite pas à me sauter dessus. Si quelqu'un essaie juste de me parler. Surtout si c'est un homme. Il ne veut même pas savoir de quoi on parle. Il devient tellement furieux. Est-ce que tu sais que Hugo me suit au marché? Il me suit même à l'école. Je ne sais plus quoi faire. Il me tape à la moindre provocation. Il va me taper.
Il va juste me frapper comme bon lui semble. Puis il revient en pleurant et il vient s'excuser en disant qu'il est désolé. Il me dit qu'il me veut. Juste pour lui seul. Juste pour lui seul. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Voici un clair cas d'obsession. Hugo est obsédé par toi et c'est très dangereux. Rappelle-toi que j'ai essayé de t'avertir la première fois qu'il t'a dit, mais t'as dit qu'il allait changer. A-t-il changé? Hein? Ça, c'est une situation de trouble mental. Hugo a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Hey! J'aurais bien aimé que tu prennes ton temps de connaître ce gars avant de te précipiter dans le mariage. Il n'est pas tard d'abandonner. EJ, il n'est pas tard d'abandonner. Tu peux encore abandonner. Abandonner. Abandonner pour aller où? C'est cette histoire de solitude. Cette histoire de solitude. Cette histoire de solitude m'a plongée dans la précipitation. Je croyais que j'allais avoir la compagnie, l'amitié, protection. Je croyais que ça allait avec le mariage. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ce sera ça, mon histoire. Si j'abandonne le mariage maintenant... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est-ce que je vais aller? Retourner dans la maison de ma grand-mère. Toute seule, abandonnée à mon sort. Fidji, c'est mieux d'être sale que morte. On parle bien de ta vie ici. J'ai entendu des cas des épouses qui perdent leur vie par leur mari à cause de cette stupide obsession. Hein? Tranquille, idée. Écoute, t'es encore une très jeune femme. Et aussi belle. Abandonne ça. Je ne te laisserai pas te tuer à cause de ce maudit mariage. Sors de là. C'est bon. C'est bon, ça va aller, ok? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu traversais tout ça pendant tout ce temps? Hein? Viens là, c'est bon. Mon Dieu. Un homme qui est censé t'aimer commence à te frapper. C'est comme ça que ça se passe? Hein? C'est bon, calme-toi. C'est bon, ça va aller. Calme-toi, c'est bon. Arrête de pleurer, ok? Ça va aller. Maman! Maman! Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Maman! Ah! Hugo! Maman! À te voir te précipiter comme ça. J'espère que tout va bien. Comment va EJ? Maman, elle n'est pas ici. Que veux-tu dire par « n'est-elle pas ici » T'a-t-elle dit qu'elle venait ici? Maman, elle a quitté la maison la nuit dernière. J'ai cru qu'elle est venue ici. La nuit dernière? Voyez, maman. Elle n'est pas venue ici, oh. Quel genre de problème as-tu avec elle? Maman, on a eu juste une petite dispute et elle est juste sortie de la maison. Je croyais qu'elle est venue ici. Elle est partie la nuit dernière et tu ne t'es pas dérangé de la chercher. Maman, s'il te plaît, je reviens, d'accord? Je reviens, s'il te plaît. Hugo.
Ça va aller, ma chérie, d'accord? Que fait-il ici? Et comment a-t-il su où tu étais? Qu'est-ce que tu fais ici? Idiot, moi je t'en prie. Je sais pas ce qui m'est arrivé. S'il te plaît. Ça a toujours été la même chanson. Tu ne sais toujours pas ce qui t'arrive. Tu ne sais jamais ce qui t'arrive. Je suis fatiguée. Je ne veux plus de ce mariage. Et Dieu me pardonne-moi. Dieu me pardonne-moi. Tout ce que je faisais, je le fais juste pour te protéger. Parce que je t'aime tout le monde. Je peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas. Franchement parlant, ceci ne ressemble qu'unement à un mariage. Je me sens comme une esclave. Je ne suis pas heureuse, je ne suis pas libre, je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, je suis désolée, je ne peux pas continuer avec ça. Comme ça, je ne finirai pas par mourir un jour entre jamais mes mains. Jamais de la vie. Tu ne peux pas mourir entre mes mains. Et je te promets devant Dieu que je ne lèverai plus jamais mes mains sur toi. Je t'en prie, je te laisserai faire tout ce que tu veux. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe ce que tu veux porter, peu importe ce que tu voudras faire, je suis prêt à l'accepter cette fois. Juste pour te montrer que je suis un homme différent. Je suis un homme changé. Je t'en prie, reviens-moi et tout ira bien, absolument, absolument tout. Je ne vais plus jamais te suivre. Tu m'as, je te le jure. Je ne vais plus jamais te suivre. Tout ce que tu voudras faire. Vas-y, fais-le. Oh, je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en prie, ne me laisse pas, s'il te plaît. Je t'en prie. Hugo. Ce mariage est terminé. Idioma, je t'en prie, Idioma. Je t'en prie, je t'ai dit que je suis un homme différent. Ne me touche pas. Idioma, je t'en prie, j'ai changé. Hugo, je suis un homme changé. Laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Idioma. C'était une... Où que tu veux l'aller, tout ce que tu voudras faire. C'était juste une erreur, j'étais un peu trop protecteur.
Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi.